À l'hostellerie des Remparts, à Delle, nous allons découvrir Enrico Caruso, un restaurateur qui développe une dynamique commerciale plutôt exemplaire. Nous sommes dans le restaurant L'Hostellerie des Remparts, un restaurant qui a été créé en 2004 en partenariat avec la Banque Populaire. Dans le Vieux Delle, nous sommes un restaurant qui est accolé aux remparts de la ville de Delle. Notre activité consiste à fournir des repas d'affaires, repas de société. La semaine, nous sommes plutôt dans des repas, des suggestions du jour. Nous faisons aussi du traiteur, donc nous livrons dans des grandes entreprises qui sont sur Delle. Je distingue mes assiettes comme une toile. Et la passion de mettre l'art pictural dans mon restaurant permet à nous et ainsi à nos clients de découvrir les artistes du coin, de découvrir nos talents d'art culinaire et de faire un mariage avec ces deux arts. Le Domaine Guillet est un château qui se trouve à Boncourt. Des clients suisses nous ont fait connaître ce château et nous ont demandé de faire un partenariat avec eux qui permet de servir des grands mets dans un superbe cadre du château. Nous avons fait la demande de titre de maître restaurateur. Nous avons aussi une distinction dans le guide Michelin qui permet de nous faire connaître un peu plus loin. Cette distinction a permis aussi de valoriser notre personnel. Cette année, nous avons reçu une médaille par la Chambre des métiers où nous avons formé nos apprentis. Il est vrai que j'en suis assez fier. Nous sommes à 10 apprentis avec 10 réussites. Le but pour nous, c'est de faire connaître notre passion et que surtout, ils restent dans le métier. Et car il faut savoir que ces personnes que nous formons, ce sont nos futurs repreneurs. Je suis rentré dans le monde de l'apprentissage à l'âge de 14 ans et demi. J'étais un apprenti plombier. Et quand j'ai commencé mon métier, on restaurait toute la plomberie d'un restaurant. Je voyais ces cuisiniers, ces jeunes apprentis de mon âge faire de travailler tous ces produits nobles et moi de me voir travailler dans de la graisse et des clamolettes. Je me suis dit que cela n'était pas ma voie. Ma voie était dans des produits nobles, c'était de travailler en veste blanche et en toque. Là, on a trop de blanc sur du blanc, il faut du noir, un peu de coloration. Donc je suis rentré dans ce métier où j'ai passé mes diplômes et à l'heure actuelle je suis toujours dans ce métier car j'ai toujours cette même passion de créativité, cette passion de travailler tous les produits nobles. Le matin de me lever, d'aller au marché, de toucher ces produits frais et cette passion elle m'est restée et c'est ce que j'arrive à donner, la même passion à mon personnel. Mes relations avec la Banque Populaire depuis, on va dire, 2003, où j'ai connu M. Schmitt, ensuite j'ai connu M. Pérignon, deux hommes tout à fait différents, mais tout à fait charmants, et qui m'ont suivi dans mon projet de 2004 avec cette création d'entreprise. Et moi, c'est un grand partenaire, c'est plutôt un grand collaborateur. Nos projets futurs sont toujours, on va dire, en attente actuelle. Nous avons un réel besoin, un réel manque de création d'hôtels. On voit ce réel besoin par rapport aussi à nos entreprises qui ne savent pas où mettre leur clientèle pour des nuitées. Et maintenant, allons voir comment Rodolphe Pérignon, son conseiller Banque Populaire, va devenir un chef cuistot de choc. Action! Ce qu'on va faire, déjà c'est une tenue correcte exigée, oui. On enlève déjà la montre et on va faire une petite spécialité suisse basée avec une crème de mascarpone et du fromage tête de moine. Comme c'est suisse, je vais prendre mon temps quand même. Voilà, prenez tout votre temps. Vous imaginez, vous êtes en train de faire une pizza, c'est la même chose. Ouais, j'aurais pas dû en faire souvent. C'est sympa de beurrer les tôles, Mairie. Vous voulez pas que je les beurre, moi, les tôles? Vache. Hein? Ça fait vraiment plaisir de voir son banquier. J'essaie de prendre mon métier à cœur. Hein. Non, mais comme c'est la crise dans les banques, on sait jamais si un jour... Ok, et voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est les manger. Voilà, en attendant, Mairie, vous montrez à Monsieur Pérignon comment faire les rosaces de... Ah, avec la tête de moine. Ah oui, c'est bon, hein. 3. 4. 4. On met au four, on peut mettre au-dessus. Nous avons fait 2, mais il y en a à peu près une vingtaine à faire. Hein. Voilà. Vous êtes un peu farineux là. Ah oui, c'est moi qu'on puisse dire. Bon, ben voilà, monsieur Pérignon. Ah bah allez, on... Résultat. On voit pas laquelle est la mienne, hein. Voilà. Ah, super. Ok.
Ah bah je suis bien content. C'est une bonne réussite. Vous prenez des stagiaires, non? Tout à fait. Ah bah, je suis bien content. Bah, j'envoie mon CV la semaine prochaine. Nous sommes centre de formation. C'est super, ah bah, j'en doutais pas. Merci monsieur Caruso. Merci bien.